Oui, c'est Kalten. C'est parti pour le 14e numéro des Kalten News. Donc, on va avoir le programme des vidéos de la semaine du 3 au 7 juillet, semaine de Japan Expo. Et du coup, si jamais ce type de vidéo vous plaît toujours aussi, les vidéos que je vais vous présenter vous plaisent, vous pouvez toujours, je vous rappelle, commenter, liker, partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne voulez pas les manquer. Et sans plus attendre, on va se mettre directement au programme de la semaine. Lundi, nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, sur Switch, toujours, bien sûr. Donc on est toujours en route vers le village Piaf. On va enfin y arriver vers la fin de la vidéo. On va choper donc un sanctuaire, une tour et un souvenir au passage. Donc assez riche quand même en émotion. Et voilà, on arrive du coup au village Piaf. On va pouvoir s'y mettre dès la vidéo de la semaine d'après. Ne ratez pas ça, ce sera pour lundi. Mardi prochain, enfin mardi qui arrive, ce sera la nouvelle et dernière vidéo de Super Paper Mario. Enfin, on arrive au niveau 8-4, donc vraiment le tout dernier niveau avec le boss de fin. Donc je ne spoil pas le contenu, bien sûr, mis à part les images que vous voyez en ce moment. On va avoir bien sûr le combat final, un petit peu de retournement de situation quand même. Mais bon, je vous en dis pas plus, et la scène finale que je trouve bien sûr très émouvante, ce sera pour mardi, ne ratez pas la fin du let's play. Mercredi, nouvelle vidéo de Kirby au fil de l'aventure. Kirby au fil de l'aventure, où là on va s'attarder sur deux points. Premier point, compléter entièrement. Bon, je sais, ça fait un pléonasme, mais compléter. Le monde de la neige, donc la contrée blanche, avec tous les niveaux post-boss. Enfin, ils sont deux, hein, mais il y en a un qui m'a pris longtemps quand même, plus longtemps encore que le monkey glisse de la vidéo de la semaine qui vient de passer. Donc bon, c'est quand même pas mal. Mais bon. Et deuxième point. Je me suis dit, allez, ça va être le moment de faire complètement la razzia au niveau du... Comment ça s'appelle ? Au niveau des magasins qu'il y a au château. Donc les magasins où on peut acheter des meubles et où on peut acheter aussi des papiers peints. Donc ça, voilà, j'ai tout acheté. Et comme ça, voilà. Ça évitera de faire plus tard si jamais ça rentre dans la complétion du jeu pour les 100%. Jeudi, nouvelle vidéo de Digimon. Digimon Story Cyber Sleuth, bien sûr, où on n'avance pas vraiment dans l'histoire. Je me concentre essentiellement dans la vidéo de la semaine qui va suivre, à faire des affaires, donc pas forcément des affaires de merde, mais quand même des affaires qu'il y a sur le tableau, qui apparaissent sur le tableau. Donc typiquement, il y a une enquête sur un problème de clim, donc il faisait trop froid, maintenant il fait trop chaud, bien sûr. Et enfin, il y a une autre affaire où en fait il y a un Digimon qui nous demande de l'aide pour des questions de vie ou de mort. Donc bon, c'est quand même un peu intéressant, enfin un peu important du moins. Donc c'est rien qui fait vraiment progresser l'histoire, mais qui fait progresser déjà mon équipe, et puis qui fait progresser le niveau de détective, donc qui est une stat à part du héros. Et typiquement des affaires qui... Enfin, je trouve que c'est intéressant quand même de voir la partie juste résolution d'affaires du jeu. C'est assez intéressant. Donc ce sera pour jeudi. Et enfin vendredi, ce sera la deuxième partie de Sly Raccoon, donc où on va continuer à faire des niveaux pour récupérer les clés. On récupère la troisième clé, donc dont on a besoin pour détruire le groupe électrogène. Donc ça on va le faire, récupérer cette euh,
cette troisième clé, détruire le groupe électrogène. On va un peu voir de l'autre côté, mais du coup il nous faut encore d'autres clés et on va faire d'autres niveaux. Donc il y a un niveau dans des sortes d'égouts et un niveau dans une sorte de machinerie très enflammée. Donc j'ai rien trop à dire dessus, sauf le fait que cette fois on réussit bien à récupérer toutes les bouteilles de tous les niveaux que je fais. Donc ne ratez pas ça non plus, puisque c'est un jeu qui est quand même assez fun, et ce sera pour vendredi. Et voilà pour cette semaine, pour les vidéos de cette semaine. Moi je vous dis rendez-vous lundi, mardi, mercredi, tout ça pour les let's play de Zelda, Mario, machin. Et à dimanche prochain pour un prochain Kaltan News. N'oubliez pas de liker si jamais ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et bonne semaine. Ciao.